Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, une rapide vidéo pour vous présenter les couteaux les plus petits de ma collection, avec des lames qui parfois sont inférieures à 7 cm. Commençons par le célèbre Duk Duk. Ici, un modèle standard dans sa version la plus petite, très plat, et une lame à la longueur relativement contenue. Poursuivons avec ce Puma Prospector des années 70, également un couteau aux dimensions réduites, idéal pour être porté au fond d'une poche. Le vénérable Opinel, ici un modèle numéro 7 des années 50-60. Il existe bien sûr des Opinel plus petits, les numéros 6, les numéros 5, mais c'est l'Opinel le plus petit que j'ai dans ma collection. Poursuivons avec un couteau d'artisan. Ici, un modèle Aspic, petit modèle de Laurent Gaillard, avec son manche constitué de plaquettes, d'amourettes, un couteau relativement compact. Poursuivons avec ce José da Cruz, petit modèle, avec son manche en acacia, également un couteau très compact, même si le manche est un peu plus volumineux. On a une lame aux dimensions restreintes. Ici, probablement le couteau le plus petit de ma collection, avec ce Holber en noyer, un modèle XS. On le voit, une lame très réduite, idéale pour les petites coupes. Ensuite, nous avons ce couteau de la forge du Corbeau, avec une construction un peu similaire au Douc-Douc, donc très plat, avec une lame forgée également aux dimensions réduites. Un couteau très compact qui prend peu de place dans une poche, idéal pour les petites coupes. Et enfin, le bugiste petit modèle de Frédéric Machiot, un modèle artisanal. Donc ici la version réduite du bugiste qui est un peu plus grande. Voici pour la présentation des couteaux les plus petits de ma collection. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt sur la chaîne.